Bonjour à tous, je suis Camille, j'ai 34 ans, j'habite dans le sud de la France, près d'Aix-en-Provence, avec mon mari et mes deux petits garçons de 5 et 7 ans. Je suis une grande passionnée de déco depuis toujours, tellement passionnée que j'y consacre un compte Instagram sur lequel vous pouvez me retrouver, Cozy Home by Camille. Et ce compte Instagram a pris tellement d'ampleur que je me suis lancée depuis maintenant un an et demi en tant que coach déco. Alors, mon astuce déco pendant le confinement. Alors déjà, j'ai commencé dès le premier jour du confinement par changer les meubles de place chez moi pour les mettre de manière à ce qu'on ait le plus d'espace possible, qu'on se sente le mieux possible puisqu'on a bien compris qu'on allait passer beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à la maison. J'ai aussi profité de cette période de confinement pour faire beaucoup de do it yourself, notamment sur le zéro déchet puisque c'est un sujet qui me passionne. La première chose que je vais faire à la fin du confinement en déco ou à la maison, j'aimerais qu'on repeigne le salon en y mettant des corniches pour créer un effet tout bêtement comme dans une maison à l'ancienne. On l'a fait récemment, enfin juste avant le confinement, on l'a fait dans nos WC et j'aime énormément le charme que ça apporte à la pièce. Les routines déco ou les habitudes que je conserverai après le confinement. Les enfants, pendant le confinement, évidemment, vivent beaucoup dans le séjour et amènent beaucoup de bazar. Donc, j'ai pris l'habitude de ranger systématiquement le soir. Et finalement, le matin, on est bien content en se réveillant de voir un séjour aéré et bien rangé. Et on a effectivement aussi, pendant ce confinement, énormément profité de notre extérieur, ce qu'on ne prend pas forcément le temps de faire dans la vie, puisqu'on est toujours à droite, à gauche lorsqu'on a des jours de congé. Et en fait, finalement, c'est quelque chose qu'on va changer, d'installer notre terrasse et de la mettre, de mettre tous les coussins, de créer l'ambiance que l'on aime, dans laquelle on se sent bien et qui nous a tellement fait du bien pendant ce confinement. Eh bien, on prendra l'habitude de laisser en place cet aménagement-là et d'en profiter à fond. Merci Maison Créative, j'étais ravie de vous recevoir, bon, bien sûr virtuellement dans les circonstances, mais c'était un vrai plaisir de répondre à vos questions. Je vous dis à bientôt.